penser nos rêves quand le jour s'endort. Réveille la flamme en toi et fonce. Hey, bonjour à tous les élèves de l'école Bienville ainsi qu'à la famille élargie de l'école Bienville. Et là, on parle de la famille élargie des parents, des enseignants, des éducateurs, des psycho-aides, de tout le monde qui travaille ou qui gravite autour de l'école Bienville. Le message d'aujourd'hui que j'ai à passer, évidemment, c'est de vous souhaiter une bonne semaine de la persévérance, mais j'ai aussi un petit cadeau pour vous. Il y a 5 personnes qui étaient venues en 2015 parler aux élèves de 5e et 6e année et ils reviennent pour vous souhaiter peut-être eux aussi une bonne semaine de la persévérance. Regardez ça. Hey Jackson. Hey, mon chien. Bon, ça y tente pas. OK, bye bye, je retourne me faire bronzer. Bye. Bonjour, ça va bien? Je m'appelle Jazz, je suis le fils à M. Steve, à Steve Joseph. J'étais venu il y a quelques années à l'école Bienville pour parler de mon cheminement scolaire et sportif. Je voulais vous dire, en ce moment, je viens de terminer mon baccalauréat en communication à l'UQAM. Si moi je suis capable, vous aussi vous êtes capable de vous rendre à l'université, lâchez pas. Puis bonne semaine de la persévérance scolaire. Salut tout le monde, mon nom c'est Mélodie. Moi Gabriel. Je suis la fille de M. Steve, puis dans le fond, il y a une couple d'années, on est venu parler de la persévérance scolaire à votre école. Pour vous donner un petit update de notre vie, en fait, Gabriel a terminé son bac à l'université et a fondé son camp de football à travers le Québec. Et moi, je suis infirmière et je me spécialise à l'université en ce moment. Donc, notre message, c'est de vous dire de ne pas lâcher, on persévère. Bonne semaine à la persévérance scolaire. Bye bye! Bonjour les élèves de l'école Bienville, mon nom est Mathieu Joseph, je suis le neveu de Steve Joseph. Dans le fond, il y a quelques années, je suis venu dans votre établissement scolaire pour vous parler de mon parcours scolaire et sportif. Quelques années plus tard, je suis présentement un joueur de hockey professionnel avec le Lightning de Tampa Bay dans la Ligue nationale. Je voulais aussi prendre un petit moment pour vous dire que peu importe le but, objectif ou bien rêve que vous vous êtes donné, c'est atteignable et réalisable. Il faut juste que vous continuez à persévérer, à être déterminé et à ne jamais abandonner. Bonne semaine de la persévérance scolaire à tous. Bonjour à tous les élèves de l'école Bienville, je me présente, je m'appelle Pierre-Olivier Joseph, je suis le neveu de M. Steve Joseph. J'étais venu dans votre école il y a quelques années pour parler de mon cheminement scolaire et sportif. Je suis présentement rendu dans la Ligue nationale de hockey avec les Penguins de Pittsburgh. Mon message pour vous aujourd'hui est de toujours, toujours, toujours travailler le plus fort possible pour réaliser vos rêves. Bonne semaine de la persévérance. Ah! Bonjour, vous êtes là? Vous êtes revenu? Wow! Donc, c'est un super beau message de 5 personnes qui aujourd'hui ont persévéré et n'ont pas lâché tout ce qu'ils entreprenaient en 2015 quand ils sont venus voir les élèves de 5e et 6e de l'école Bienville. Mesdames et messieurs, faites pareil, faites comme Jazz, Mélodie, Gabriel, Mathieu et P.O. et puis continuez vos rêves, on peut toujours les atteindre, mesdames et messieurs. Ciao, 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 c'était mon message pour vous. Bye à tout le monde.